La fin de l'année nous donne l'opportunité de prendre conscience des 365 jours qui sont passés. Regarder le passé, oui, mais seulement pour mieux apprécier le futur. Et se poser la question, qu'est-ce que j'ai envie de laisser derrière moi pour commencer la nouvelle année au plus près de ma vérité? Pour commencer l'année comme si je commençais un voyage vers une plus belle destination. Et ainsi, cultiver l'espoir tout en se laissant l'espace d'accueillir les surprises que la vie pourrait m'apporter. Et j'ai choisi d'écrire ma réponse à ces questions, et la voici. Cette année 2023 a été étrange. Comme une pause, une déconstruction. Et maintenant, en 2024, il faut reconstruire. L'année 2024 sera l'année de la libération de tous les fardeaux, tous les masques. Je suis en train de découvrir qui je suis véritablement, sans le stress, sans l'anxiété, sans faire semblant. Je vais avoir 30 ans et je ne savais pas qui j'étais jusqu'à maintenant. J'ai beaucoup d'espoir pour l'année à venir. Car je sens une belle éclaircie se profiler à l'horizon. Une lumière venant réchauffer ces nuits sombres que j'ai traversées cette année. Thank you.
J'ai vécu beaucoup de difficultés dans ma vie. Et c'est la première fois que j'accueille la nouvelle année avec autant de sérénité. Je vous souhaite une très belle fin d'année et vous retrouve l'année prochaine. À bientôt les escargots!